Quand j'avais 4 ans, je voulais être pâtissier. Après, à 5 ans, c'était plus le salé, donc cuisinier. À 7 ans, je voulais être archéologue. Et puis, il y a eu Jurassic Park, les dinosaures, donc un peu après, c'était plutôt paléontologue. À 12 ans, comme la plupart des garçons dans les années 90 qui découvraient l'informatique, j'ai voulu être ingénieur en informatique. Puis à 14-15 ans, c'était l'architecture qui m'intéressait. Je suis arrivé au lycée. Effectivement, je ne savais pas encore vraiment ce que je voulais faire, donc on m'a mis en filière scientifique, comme les élèves à peu près brillants. À l'époque, c'était S. J'avais un parcours artistique depuis tout petit, le conservatoire, une famille de musiciens, et puis mes premiers groupes de rock dans le garage, à reprendre du Led Zeppelin. Et donc j'ai choisi à cette époque-là que je voudrais être ingénieur du son. Les années lycée, c'était des années vraiment, vraiment sympas, du bon temps avec les copains, avec les copines, et beaucoup de choses, mais en dehors des bancs de l'école du lycée, qui font que j'ai obtenu mon bac S avec mention, mais surtout la mention dilettante, gâche ton potentiel. Vous savez, un dossier scolaire un peu marqué d'appréciation de prof, un peu énervé par votre comportement, qui se fait un peu trop confiance, qui finit par avoir son bac, mais sans trop d'efforts. Et la finalité, c'est que j'avais postulé dans à peu près toutes les filières possibles pour être ingénieur du son en France et que j'en ai eu aucune. Donc je me suis retrouvé à la fac. Ça arrive, on peut s'en sortir. J'ai choisi musicologie. Musicologie parce que ça me paraissait logique après cette passion de la musique depuis tout petit, et puis je me disais que ça me laissait le temps de voir. Mais j'avais peur quand même de cette liberté de l'université après des années lycée un petit peu trop festives. Et au final, j'ai gagné en maturité et ça m'a permis de me concentrer vraiment sur mes études. Et j'ai beaucoup aimé les enseignements, l'érudition. Et j'ai obtenu rapidement de très bons résultats et ça m'a permis de continuer à faire plein de choses en dehors, d'avoir un premier job. J'étais pion dans un collège. Puis ensuite, j'ai enseigné dans une école de musique. Donc j'ai fait mes armes avec des jeunes, avec les élèves. Et la licence s'est passée comme ça, de façon très sympathique. J'étais à Rouen, en province, très épanouissante. Et il a fallu faire un choix. Il a fallu choisir. Alors, quand vous faites musicologie, il n'y en a pas beaucoup. Vous aviez la recherche, des manuscrits poussiéreux d'un compositeur obscur de l'époque baroque, très peu connu, qu'il fallait remettre au goût du jour. Ou alors un choix concret qui était celui de passer le CAPES, pour être professeur d'éducation musicale et chant choral. Ça vous rappelle des souvenirs? La flûte à bec, le collège, tout ça? J'ai passé le concours. Tout le monde disait, il y avait 90 places sur toute la France, donc c'était un concours difficile. Et tout le monde disait, ouais, c'est trop dur, fais autre chose. J'aimais bien cette idée de challenge, donc je l'ai passé. Et puis je l'ai eu. Et je me suis retrouvé donc à 22 ans, fonctionnaire, professeur de l'éducation nationale. Donc c'est une carrière qui commençait quand même dans la musique, mais un petit peu plus loin des studios d'enregistrement et de la scène. Ça s'est un peu gâté quand j'ai pris mon premier poste de TZR en Seine-Saint-Denis. Alors TZR, ça veut dire titulaire en zone de remplacement. En langage non académique, ça veut dire bouche-trou, dans des endroits où il manque du temps, des heures, et puis vous allez un petit peu comme ça, de façon très inconfortable, essayer d'enseigner dans différents collèges sur vos premières années de fonction, c'est-à-dire celles où vous êtes le moins bon. Et donc je me retrouve à Paris, dans l'académie de Créteil. Tout le monde te dit « Oh, tu vas voir Paris, c'est génial, la vie culturelle, l'ouverture sur le monde ». Moi, la seule chose que je vois à ce moment-là, c'est d'arriver dans un appartement qui fait la taille de mon ancien salon, au 5e étage, sans ascenseur, et puis tous les matins, c'est ligne 12, convention, jusqu'à Montparnasse, ligne 4, gare du Nord, ligne H, train de banlieue, bus de banlieue, marche à pied, 1h15 pour atteindre mon collège de banlieue, la même chose le soir pour revenir, le vendredi, un autre collège avec 7 classes de 3e d'affilée un vendredi après-midi. 7 classes de 3e, la flûte à bec, tout ça, 7 classes de 3e. Donc au bout de 6 mois, je craque. Au bout de 3 semaines, quand même, il y a une bataille à coups de chaise dans ma classe. Donc je me rends compte qu'en fait, c'est un boulot d'éducateur, je ne savais pas, on m'avait pas dit. Et au bout de 6 mois, je commence à ne plus être du tout copain avec la RATP, avec tous les retards et les soucis, et puis les métros bondés. Donc je choisis l'option d'y aller en voiture, quitte à doubler ou tripler le temps de trajet, des fois sur le retour, les vendredis après-midi sur le périph'. Ça a le mérite, par contre, que quand vous êtes vraiment au bout du rouleau, vous pouvez pleurer tranquillement dans la voiture. Personne ne vous voit. Donc voilà mes premières expériences de prof. Et rapidement, je me dis qu'il y a peut-être un petit souci d'orientation. J'ai 24 ans. Et à ce moment-là, je ne sais vraiment pas ce que je voudrais faire quand je serai grand. Déjà,
La cuisine commence à me titiller. Ça fait quelques années que je me suis un petit peu découvert cette passion. Et je commence à me dire que ça pourrait être sympa, mais je ne suis pas capable à ce moment-là de balayer 5 ans d'études supérieures pour faire autre chose. J'avais vraiment l'impression d'avoir... Ça aurait été une perte de temps. C'est assez compliqué quand vous êtes si jeune face à un problème d'orientation. Je me retrouve un peu sauvé, avec un sursis, en recevant un mail de l'inspecteur de musique de mon académie, qui recrute un professeur d'éducation musicale pour la rentrée suivante, sur un poste à profil très très particulier pour l'ouverture de ce qu'on a appelé à l'époque un internat d'excellence, qui était un projet monté par l'ancien recteur de l'Académie de Créteil, qui s'appelle Jean-Michel Blanquer, peut-être que vous voyez qui c'est aujourd'hui. Et donc, il y avait ce projet très 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 ambitieux de monter un internat vraiment avec des projets éducatifs très très poussés pour des jeunes de banlieue parisienne. Et le poste de prof de musique était le Graal, cette espèce de poste improbable où vous aviez des moyens illimités, humains, matériels, un partenariat avec l'Opéra de Paris, des projets culturels, un truc incroyable. Alors là, toujours, les mêmes qui vous déconseillaient de passer le concours vous disent « Non, mais c'est pas la peine, il faut être agrégé, il faut être connu des inspections pour postuler. J'avais qu'un an d'expérience, TZR en Seine-Saint-Denis, donc dans la balance, il n'y avait pas grand-chose. » Mais j'étais, je pense, autant motivé qu'en détresse avec ce boulot qui ne me plaisait pas. Et du coup, j'ai postulé, j'ai passé les entretiens et ils m'ont pris. Ils m'ont pris avec très peu d'expérience, mais je pense que j'ai dû apparemment faire la différence. Et là, j'ai passé 3 années exceptionnelles. 3 années exceptionnelles, professionnellement, humainement, des rencontres avec d'autres professeurs vraiment extraordinaires qui s'investissaient sur un projet vraiment très très motivant, très très inspirant. Des élèves qui, pour certains d'ailleurs, sont peut-être passés par cette école parce qu'on a vraiment envoyé des enfants et des jeunes vers des filières d'excellence. Et puis, c'était à la fois génial, mais en même temps, vous avez, en 3 ans, la possibilité de cocher toutes les cases que vous pouvez vouloir cocher dans votre carrière d'éducation musicale, de professeur d'éducation musicale. Et je me suis dit que de toute façon, il fallait que je fasse autre chose après, parce que je ne me voyais pas, à l'issue de ces 3 ans que je m'étais donné, retourner dans un collège lambda, ce n'était pas possible. À cette époque-là, il se passe une chose dans ma vie privée qui tombe au bon moment, c'est que ma compagne passe le concours de la magistrature et est prise, et du coup, l'école est à Bordeaux, et elle devait partir pour plus d'un an en formation initiale à Bordeaux. Et du coup, moi, je ne me voyais pas du tout, je ne me voyais pas dans la possibilité de... Je suis dans le noir, tout va bien. C'est plus sympa, je vous vois comme ça, c'est mieux. À ce moment-là, je ne me vois pas dans la possibilité d'être séparé d'elle, donc je décide de prendre ce qu'on appelle une disponibilité, c'est-à-dire d'arrêter d'enseigner, et là je décide de m'inscrire pour passer un CAP de cuisinier. Vraiment, ça me titille depuis des années. Et au final, quelques semaines avant ça, j'ai regardé Masterchef à la télé, sur TF1, parce que j'aime bien la cuisine, donc je regardais les trucs de cuisine à la télé. Et je vois à la fin de la saison 3, casting ouvert. C'était la saison 2, pardon, à la fin de la saison 2. J'en parle à ma compagne, je lui dis « T'en penses quoi ?» Elle me dit « Bah vas-y, c'est pas très grave, enfin, de toute façon, il y a 24 000 candidats, voilà. » il y avait 24 000 candidats. Donc je remplis ce petit questionnaire, et puis on est en novembre 2011. Bon voilà, j'oublie presque l'avoir fait. Et là je suis en février 2012, 4 mois après, à la photocopieuse à l'internat. Je reçois un coup de fil, je décroche. Salut Pierre, c'est Raphaël de Shine Productions pour ton inscription à Masterchef. Alors il parle comme ça, et il te tutoie. Donc, c'est très bizarre parce qu'on m'appelait Monsieur Lefebvre à l'internat. On me vouvoyait, et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Et donc le type me pose des questions, me demande si je sais faire une crème anglaise, des trucs un peu improbables, et je suis en train de me dire « mais oui, c'est vrai, j'ai postulé à Masterchef ». Je joue le jeu, je le dis à personne, sauf à ma compagne, et puis le casting dure, je remporte les étapes qui se succèdent, et puis je me retrouve à présenter un plat devant le jury qu'on voit à la télé, et ils me disent « oui ». C'était un samedi, et du coup le lundi, je devais commencer le tournage de Masterchef. J'appelle en catastrophe mon proviseur adjoint à qui, forcément, je n'avais rien dit. Et je lui dis, écoute, je ne vais pas pouvoir être avec les élèves lundi parce que je me suis inscrit à Masterchef. Et ils m'ont pris. Mais attends, rassure-toi, il s'appelle Régis. Rassure-toi, Régis, il y a 100 candidats, ils vont en virer 20. Ouais, j'ai duré 2 jours. Donc je commence le lundi, il est un peu en panique pour me faire remplacer. Et je sors de ce tournage 3 mois après, en finale, après être passé par... le désert du Sahara pour faire un tagine, cuisiner au pied des chutes du Niagara, dans un palace à Monaco, sur une plage en Corse. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que sinon je vais prendre tous les temps de parole des autres speakers. Et
Il y a des replays pour ça, si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemblait. Mais forcément, ça change une vie. Ça change une vie, et ça met aussi la charrue avant les bœufs. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il y a des millions de téléspectateurs qui se mettent à vous connaître. Moi, j'avais ce projet de changer de vie pour la cuisine, mais ça a été un accélérateur de particules. Et les gens vous prennent pour un grand chef. Sauf que moi, j'étais juste un prof de musique passionné par la cuisine, qui avait réussi d'aller aussi loin dans ce concours de cuisine, mais je n'étais pas encore professionnel. Donc ça m'a d'autant plus convaincu que j'avais ce besoin de prendre le temps de me former, de faire ce fameux CAP que j'ai fait en effectuant des stages dans la région de Bordeaux, qui était très important pour moi. Mais j'ai aussi dû refuser des opportunités très alléchantes, des places dans des structures d'exception qu'on me proposait en tant que chef. Mais je savais à ce moment-là de ma carrière que je n'étais pas encore prêt, que je n'avais pas cette crédibilité. Et j'y attachais beaucoup d'importance. Je me rappelle quand j'étais plusieurs années auparavant en train de regarder La Nouvelle Star à la télé ou ce genre de choses, en tant que musicien de formation de conservatoire, je voyais les gens qui pensaient devenir chanteur en 3 mois et je disais « Mais attends, détends-toi, il faut faire 10 ans de conservatoire pour être musicien. » Donc voilà, pour moi, ce n'était pas possible de devenir cuisinier grâce à la télé. Donc j'ai passé mon CAP et à 27 ans, je suis devenu cuisinier. Beaucoup de gens me demandaient « Comment tu peux passer de la musique à la cuisine ?» Ben finalement, j'y ai trouvé beaucoup de points communs. Déjà, c'est un travail manuel, un travail d'expression, un travail de sensation. On doit apprendre un vocabulaire, un langage. C'est nécessaire de passer par des classiques avant de pouvoir improviser. Tout le monde mange, tout le monde écoute de la musique, c'est quelque chose qui nous identifie, et c'est ce qui fait que la rencontre avec l'autre ou le voyage est enrichissant. Mais la cuisine et la musique sont aussi des médias. On peut véhiculer des idées, des engagements, même faire de la politique. Je pense à Jimi Hendrix sur la scène de Woodstock, qui joue l'hymne américain en pleine guerre du Vietnam et qui fait entendre des bruits de bombes avec sa guitare électrique. Ou alors un cuisinier engagé, que j'essaie d'être moi au quotidien dans mon restaurant, qui va travailler de façon vertueuse des légumes issus de l'agriculture bio en circuit court, de la pêche durable, d'essayer de proposer à la carte des vins sans chimie, avec peu de sulfite. Il y a aussi, au-delà de ça, cette idée de fulgurance, le jazz. Jouer sans partition, cuisiner sans recette. L'émotion d'un instant, l'expression d'un moment. Cette idée d'art éphémère, peut-être imparfait, mais je pense à Miles Davis, qui compose la musique d'ascenseur pour échafaud en temps réel, en découvrant le film avec ses musiciens. Ou un grand chef, Alain Passard, peut-être que vous le connaissez, qui a révolutionné la cuisine gastronomique en remettant le légume, une betterave qui sort du potager au centre de l'assiette. Bouger les lignes, bousculer les codes, est-ce que c'est de l'imperfection ? Est-ce que la perfection, c'est l'assiette parfaite, le plat signature ? Souvent, les guides, aujourd'hui, je côtoie les guides ou les journalistes, le guide Michelin vous demande « Quel est votre plat signature ?» Je n'ai pas de plat signature. Pour moi, un plat qui est fini, qu'on ne touche plus et qu'on reproduit à l'infini, ça, je ne vois pas vraiment quel peut être l'intérêt. C'est déjà obsolète. Ce qui me plaît dans l'idée du voyage, ce n'est pas la destination, mais le voyage, justement, le parcours. L'idée d'aller dans la recherche de quelque chose, d'être dans l'expression de la saison, du terroir. Est-ce que après des œuvres d'art comme celle de Mozart, de Bocuse, on est à Lyon, ou de Vinci, est-ce qu'on doit s'arrêter ou est-ce qu'on peut encore continuer à chercher ? Donc à 27 ans, je deviens cuisinier. Il m'arrive plein de belles choses, j'écris des bouquins, je rencontre plein de gens, je me forme. Et à 29 ans, j'ouvre mon restaurant à Caen, La Collade. J'ai 7 collaborateurs, beaucoup de jeunes en formation. Quand j'ai commencé, je n'avais que très peu d'expérience en cuisine et absolument aucune en management et en gestion. Donc j'ai fait plein de conneries, beaucoup, et j'en ferai d'autres, c'est sûr. Mais j'ai la fierté d'avoir rassemblé autour de moi une équipe en quête d'un projet d'excellence, c'est-à-dire la simple idée d'essayer de faire de son mieux. Ça prend du temps, beaucoup de temps, et on apprend à en accorder. Quand j'avais 20 ans, à peu près votre âge pour certains, j'accordais beaucoup d'importance au temps qui passe. Vous imaginez l'idée d'un redoublement ou d'une réorientation comme un échec. Passé 30 ans, on change de référentiel. J'ai 2 enfants et
C'est amusant comme le temps va de plus en plus vite à mon âge. Et en même temps, on a vraiment la capacité de s'en accorder. Qu'est-ce que la perfection ? Est-ce que ces virages dans ma carrière sont de l'imperfection ? D'un point de vue peut-être. Moi, je vois plutôt les choses comme une succession de petits moments parfaits. Mon premier concert, après les répétitions de Led Zeppelin dans le garage, le passage du CAPES, la transmission à des élèves, la rencontre amoureuse, Masterchef, une épreuve avec Joël Robuchon, l'ouverture d'un restaurant ou bien sûr la naissance de mes enfants. Alors certains vous diront, oui, mais t'as perdu du temps, les réorientations, on peut toujours voir le verre à moitié vide, les couches à changer, les nuits sans sommeil, toute situation a ses inconvénients. Je pense que l'idée d'une vie peut-être parfaite ou d'une quête d'épanouissement personnel, c'est d'être à l'écoute de son environnement et de rechercher sa vérité, d'entreprendre, d'oser, de se tromper, de se questionner. Et pour ma part, je ne sais pas encore ce que je voudrais faire quand je serai grand.